décédée. Elle est décédée aujourd'hui. Et même moi, je ne vis plus au Gabon. Donc, quand elle est décédée en 2017, non, 2018, 2018, 2019 par là. Elle est décédée. Et le pire, c'est que quand elle est décédée, quand j'ai appris son décès, donc j'ai contacté les autres et tout, on m'a dit non, elle est décédée. Donc on a dit non, mais on revient à Libreville, on va venir honorer notre sœur, parce que nous sommes les anciennes. On est les anciennes, on va venir l'honorer et tout. On était quand même les premières à rentrer dans les vieilles histoires des places. Voilà, mais ça s'appelle, on appelait ça, on appelait les hôtesses. On a dit, bon, on a loué des voitures. Dès qu'on vient, on fait le tour, on arrive à Libreville. On arrive à Libreville et tout. On achète la gerbe de fleurs et tout. Nous, voilà, on arrive à la. Parce que son corps était chez sa famille et c'était même la première fois que je voyais sa mère. Je n'avais jamais vu sa mère. On fait le tour du cercueil DMG. Il y avait les 10 francs dans le sac. Je te parle de ça, je tremble. Il y avait les 10 francs dans le cercueil. J'ai regardé ma copine qui était derrière moi. Je l'ai touchée en fait. Quand on est allé s'asseoir, je l'ai regardée. Tu as vu ce que j'ai vu? Elle m'a dit. Elle ne me répond même pas en fait. Elle tremblait seulement. Je l'attrape la main. Elle et moi, on tremblait. Je regarde une autre là-bas. L'autre a pris les crises. C'était vraiment Agneau collectivé à fiston, tous abonnés massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezo tambola ba chéri bazo koya mayanga. Na retrouvé douce tendresse affection pana yo. Na salelo nini pondi make na kupendaka sana. Chita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Ah ouais, et pas Mama Charlotte. Moi, Namboka, bon, mon ake, ba Namboka, congolaise, tala biloko yako sala, et pas papaya, a tel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Tosa na nyoso. Bana mi bali na bana basi. Soto yawa. Mumoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza, lokola wato yene. 8 ans, ki komata. Yango yawa. Koto yonde makambo, makambo, makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya batai nyoso yango. Ba Samuel, ba chuchu, yango yo. Afrika, la tsabana. Oye mine yito mututaka. Ele ngi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fest. Ba tuwa kumo banga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. O lingo sepelisa mwana na yo. Ko deplase na yo te. O kotika na internet. O kumo na adres na biso. Yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenville, Greenstone Shopping Center. Shop numéro L119. Téléphone 011-52-46-366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Namokili oyo te akambo kamboka. Batu nyos tute ba salama ba zala ndenge moko.
tout le monde n'est pas destiné à kobunga na ndenge moko ba misusu ba kuta déjà bomengo papa maman baza ba riche ba misusu ba parents baza ba pauvre abundi a comme si ba parents na ye riche to famille na bango riche misusu pe baza ki destiné ye ata sali ndenge nyoso a kobunga te tokoyi koboya yango te liso tokobetela o lelo ndeko ekopesa yo pasi na sengi na bino botona na biso na Nouvelle-Zélande bolanda biso na États-Unis d'Amérique et sika baza tongo sika to baza butu ba 21h to partager bandeko mama soko tana mbana benga bana baya kolanda histoire uyu eko pesa bino bwani eko fungola yo esprit et puis eko kebisa bino makambu susu papa tala muta pembeni na yo mama est-ce que mama sa déjà abonné na chaîne radio le coulé soko sa abonné c'est bon soko sa abonné te mama s'abonner ba yaya benga ba yaya baya kolanda histoire uyu Eko pesa yo pasi bandeko histoire oyo pesa nga pasi na lobitika toka bola yango na bino bandeko ya radio loko television. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko television bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Soki okoti bandeko to sengi na bino o partager. Okoti o partager lisolo oyo. Peut-être et sungi yote na lobara chaque fois mais ko sungande ko moko songolo et sika moko pakala mokili o ekomi ya 21e siècle ngona benga ngo monde android ezali ko bebisa batu surtout bana mikie age ya 25 ans ki tati na ba 16 ans liso o robeta mutabeti ngo mwana ya 16 ans makam o bamoni makam o mino bisozomona lelo so ba porte à porte so ba nyozo le kana na Dubai et banda kala bandeko ba jeune fille ba komina posa envie soki a monaka master na ye azarana iPhone soki pe 10 soki pe 13 soki 14 ba on ba iPhone alingi pe kaka azarana iPhone muninga lataka ba griffe songolo griffe pakala alingi pe kaka ya lata ayebite possibilité ni ba parents na ye bazana ngo ayebite muninga na ye wana azwa ka yango wapi tala jeune fille oyo likolo ya vie pressée et le koni le tindie akoma ki na niveau nini ngana koloba kutu mingi tena pesa oka résumé avant Hollanda jeune fille homme tobeta za témo oculaire muninga na ye akufi yambo akufa na kata ya circuit ba panzana mbonge ba diko na circuit ba 10 francs ezala ki ndenge nini oka résumé ma mukie muta pesi di solo o ya lobi bango ton ba ye kokola azaki na posa ba za ba superstar mbongo basa na vie ya pamba te vie ya likolo et surtout basa ki ba métisse bobi métisse et sika batu mwindu bazali to mona ka métisse ndie extraordinaire métisse waza kitoko alengara sala kitoko na ye babanda ye ko kende ko sala kindumba babanda ye ko futa bango pa bakaka ne boyebi mususu ba Brazzaville mususu na Gabon mususu na Côte d'Ivoire mususu na Congo démocratique et sika ba okende bango do vina bango ezala ki malamu te Ye kutu mutapesi di solo, mama na ya bengana ke nandaku, po abandaye koyoka te. Tangu mama na ya bengane nandaku, ba ke kelke pa, ba ni kofute nandaku, na ba ninga na ye, elle avait seulement 16 ans. Ba yokani, ba kende kozu, ba kende ka, kosala kindumba. Alors, ba mikondi, o bandaye ko benga bango, ba mikondi ya Brazzaville, ba mikondi ya Congo Kinshasa, ya Cameroun, ya Gabon kozo bango, ba ne kofute bango montamo ko X. Bande ko salate, bande ko fa de seka moko ya luxe. Ya ye mouma oyo, krize kotaki, ba kondi bande ko benga bangote. Ba kondi ba benga ka bango wana, ba benga ka bango na numero fixe. Numero o ba benga la ba jeune fi oyo, yo ko benga ngote. Ba onga so basa na benjo na bino, ba bengi bino. Ya ye un tan oyo, ba tuwa ba zaka okupe, ba ande yi suko benga ba fi wana te. E yon krake. Kant el yon krake, mongo wafuta nda ko izate, Oyo kuta lingera so nga pana bango apesi di solo, mais mninga na bise te to continue. Nga ifona sala nyoso. Et en voulant via luxe, ya ko luka mbongo, ba trouve chemin, ba kende pa ya marabou, moutumo ekol, kelkon. Et ba kenda pa ya papa marabou wana apesi wa kondisyon, boko futa nga mbongo, mbongo wane fete la raka a chifre 10. Boke ne ko luka mbongo. Ba kenda ba rekolta mbongo, et sa ba biya 10, ba kenda, Tango bakenda, au moins wazo kende, ye oyo, laisse rabino chaque fois. Tout le monde n'est pas destiné. Tout le monde a sa ramout oyo a kota rana mabete. Et loko e sauve nde ko oyo beta li solo oyo. Tala, famille n'a pas simba ki cité. Ye tango ba kende ko simba ki siwana,
bakoute na oncle na bango par hasard grave oncle a kangai ya na 16 ans moins de 18 ans oncle a songi sa indako ba msusu ba ndinga na ba kenda ba kenda soki basala nini bino mboko yoka mais tant ba yoko zonga vous voyez que métier des hommes dans métier bazala ki pe na vie mboko ya moi bien te na parler mais bango moko comment il est na moi vie pour aller que le vie a kisi bazala ki na mbongo bazala ki na mutuka ba pesa bango condition ba tambola mutakala na nzela donc tout à l'heure, Sabino dernièrement a ou a métis moko na Cameroun na Yaoundé a tambola ka mutakala et ça ba jeune na bango bandeko tout ça la attention na Sabino chaque fois papa benga maman a ko vanda maman benga ba jeune fille ba jeune garçon a ko vanda tindela bango lien ceux qui botent ensemble tindela bango lien batela ngona chambre bino ba tubulinga ko tala ba film ya mabi o komona o pasteur intel mutakala na ebimi o lingio tala frère intel mutakala na ebimi o lingio tala et ça la ba malédiction ba soko use bino o koyoka awa au moins nous t'avons tant pour la mutakala au niveau de cette nouvelle vidéo on a tant pour la mutakala c'est tant tant qu'il y a tant pour la mutakala sur mon vidéo mutakala on a besoin de savoir mon pouvoir babima na zéro air fio on a tant pour la mutakala pour y accouvoir que babier mbongo nanzela et peut ça macam effectivement et peut ça bango macam pour y ressortir de ce qu'on fait oh yo yé et peut ça y macam tu peux y accéder et peut ça moninga na y macam moninga comment riche na développement impossible suite nango bokolanda yembo nango peta ishoya so tuve et puis les salaires de péché bobi yango c'est la mort tango akufaki cirkei nakati ba yé po basi ba kabwana 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 tango akufi ba yé na cirkei ba ning ba tubaso ko mona ba mbongo ba 10 fois 10 fois 10 wana e bandi ko bima na cirkei tina libulu e ko pesa yo passe li solo o bandeko nakolo bananga mingi te yo partager kaka na hotel yo audio yo mokolanda histoire ndenge ezali on a besoin pour partager pour la vidéo vous tapez pas commenter dans ce tout sur l'ensemble l'anda histoire à fio d'accord là je vais vous raconter l'histoire d'une amie à moi qui est devenue super riche avec les 10 francs donc c'est beaucoup de diamants non c'est pas elle. L'histoire se passe en 2011. Ça se passe en 2011 à Libreville. À l'époque, je faisais partie des filles qu'on appelle dans les affaires de placement. À l'époque, on n'appelait pas ça les placements, on nous appelait les hôtesses. Donc c'était un peu ça, j'étais parmi. Et on était franchement la plus vieille, elle avait 20 ans. Je suis rentrée dedans, j'avais 16 ans, 17 ans. Par une amie, elle m'a dit, en plus j'étais une petite suiveuse et tout, je ne connaissais pas trop ma place et je voyais d'autres filles qui étaient métisses comme moi et qui me disaient, non mais viens, toi tu es belle, toi tu sors avec ton petit copain, il va rien te donner. Non, tu es métisse, hein? Oui. J'étais dans, il n'y avait que les métisses dedans à mon époque. Je vous parle de ça, c'est en 2011. Il n'y avait que les métisses et on nous appelait les hôtesses. Donc, tu rentres là-bas, si tu es métisse et jeune. Donc, c'est comme ça que certaines filles m'ont fait entrer dedans parce que voilà, elles me disent non, mais tu es belle, tu ne vas pas sortir avec un petit garçon qui ne va rien te donner. Au moins, tu vas aller avec quelqu'un, on va te présenter les gens et c'est comme ça que j'intègre le système. Donc, avec le temps et tout, on sait comment ça marche. Et j'avais des copines, on va dire deux, que je vais appeler une Mimi et l'autre, je vais appeler Kitty. Deux métisses aussi. Un jour, vu que moi, on m'avait chassée de la maison parce que ma mère, elle n'approuvait pas la vie que je faisais, elle n'approuvait pas, elle ne savait pas d'où sortait l'argent que j'avais. Donc, ma mère, elle ne voulait pas la vie là. Donc, elle m'avait chassée de chez elle, que vu que je ne veux pas écouter ce qu'elle me dit. Donc, elle m'a chassée de sa maison. Donc, moi, je suis allée vivre dans un quartier UP de Libreville, à la Sabière avec mes copines. Et là, bon, moi, j'étais libre de faire ce que je voulais. Et bon, souvent, on nous invitait, vu qu'on était des hôtesses. Donc, on nous invitait en Guinée, au Cameroun, à gauche, à droite. Donc, on avait quand même les moyens.
Et il s'avère qu'il y a un moment donné, on était en difficulté. Parce que ces messieurs-là, ils nous appelaient seulement qu'avec des numéros privés. Donc, ce qui fait que nous, on ne peut pas les appeler. Il n'y a que eux qui nous appellent. Donc, il y avait... Bonjour, Mela la Parisienne. Partagez les solos à Somo. Ben, ma jeune fille Bakota, Balanda, ma jeune garçon. Au moment, on ne nous appelait plus. Donc, on avait des difficultés à payer la maison. On vivait dans une maison qui coûtait 900 000. On ne travaillait pas. Donc, on avait des difficultés de payer. C'est comme ça qu'il y a Mimi qui me dit non, elle en a marre. Elle veut le vrai argent. Elle veut le vrai argent. Ce n'est pas les miettes là qu'on nous donne, les 1 million, maxi 3 millions. Elle veut le vrai argent. Et même quand on nous donnait les 3 millions là, franchement, ce que le mec il va te faire, les 3 millions là, on vaut la peine pour ce qu'il va te faire. Ils avaient des pratiques terribles. Aujourd'hui, ça sort, mais c'est quelque chose qui, depuis 2011, les porte-à-porter, tout ça, ça existe depuis. Donc, ce qu'ils vont faire, ça vaut les 3 millions. Donc, souvent, on avait des difficultés comme ça. J'ai dit, bon, moi, j'avais proposé, mais quittons la maison, on va aller habiter ailleurs. Non, jamais, on ne va pas retourner. T'as vu, dans les quartiers, moi, je suis quand même une tismée. Je ne peux pas aller dans les trucs bizarres, ce que Mimi disait. Elle voulait le vrai argent. Donc, c'est comme ça qu'il y a Kitty. Bon, moi, pour moi, c'était mes amis. Mais elles avaient d'autres copines. Donc, ça qu'elle dit, non, mais tu sais, on peut aller voir un papa là, il est dans la route de tel endroit. Tu sais, c'est les pratiques, c'est plus comme avant. Maintenant, on ne livre plus les parents, tout ça. Si tu veux entrer, si tu veux l'argent, tu donnes une partie de ton corps. J'ai dit, ça, c'est quelle affaire. Elle dit, non, mais tu peux donner le clitoris. Tu donnes ça, tu peux donner ton utérus, tu donnes quelque chose comme ça. Vraiment. Après, apparemment, ça intéressait beaucoup Mimi. Ça l'intéressait et tout. Elle dit, non, mais est-ce qu'on peut avoir le vrai argent avec ça? Elle dit, oui. En plus, à la mode, à l'époque, en 2011-2012, donc il y avait la mode, c'était partir à Miami. Il fallait partir à Miami, il fallait avoir les belles voitures et tout. Elle dit, non, mais moi, je vais aller à Miami, vu qu'on traînait à soi avec certains amis homosexuels, que certains connaissent même, hein, les anciens, ils connaissent, il y a eu un homosexuel qui était vraiment en haut dans le pays, on marchait avec lui, elle dit, non, mais on nous traite comme des petites go. Donc, nous aussi, on veut aussi. Et on s'est dit, bon, d'accord. Donc, il y a eu un soir, elles ont dit, bon, on va aller voir le papa. Mais le papa, là, lui, on le paye qu'avec les 10 francs. J'ai dit que ça, c'est quelle affaire, ça. Mais elle dit, non, mais il est vers Q aussi. Quand tu prends la route, en tout cas, les gens, c'est vers... En tout cas, il y a une frontière vers le Cameroun, là-bas. Il est loin. Ou la Guinée. Oh non, mais il faut qu'on regroupe les 10 francs. Parce que lui, on le paye qu'avec les 10 francs. Et donc, j'ai dit, bon, moi, suiveuse, j'ai dit, bon, si tu veux, on va aller. Non, il fait seulement les bains, mais sa consultation, c'est 10 000, mais il faut lui donner ça en 10 francs. Donc, on a pris 2 semaines à récolter les 10 francs. Nous, partout dans les centres commerciaux, pour ramasser les 10 francs partout. Et on comptait ça parce qu'il fallait que ça arrive à 10 000, les 10 francs. On a fini de récolter, on a pris 2 semaines. On a pu récolter, donc on a fait genre des petits sachets de 1000 francs en 10 francs. On a mis dans un sac, voilà, nous voilà. On est parti à 6, donc on avait 2 voitures et tout, parce que d'autres aussi partaient faire autre chose. Donc elles ont appelé leurs amis et tout. Voilà, sur le chemin, à un moment donné, on était déjà sortis de Libreville parce qu'on a pris la route. On a pris la route et tout. On sort de Libreville, à un moment, je sens, j'ai chaud, j'ai froid. Je commence à avoir les palpitations, là où la conscience commence à me dire, mais toi, tu vas où? Est-ce que tu as vraiment besoin d'argent comme ça? Est-ce que c'est la vie là que tu veux? La conscience commence à me parler, j'ai froid, je sens que là, j'ai la température qui monte. Je me dis que je pars où en fait? Est-ce que c'est comme ça que ma mère m'a éduquée? Je commence à penser à ma mère, parce que je me dis, il se peut que là-bas, c'est moi qui vais rester, en fait. Donc, je commence à penser à la famille, à penser à ma mère, à penser à mes sœurs. Et là, j'ai fait une prière à Dieu et je lui ai dit, non, Seigneur, sors-moi de là.
si tu sais qu'on va aller me tuer là-bas, sors-moi de là, parce que là, je sentais que la place n'est pas bonne. Et on est arrivé au poste de contrôle de Ntoum. Les gens connaissent qu'il y a un poste de contrôle là-bas, c'est quand tu traverses déjà là, tu pars maintenant dans une autre province. C'est comme ça que le poste s'arrête, on nous contrôle nos papiers. Nous, avec les cartes scolaires. Parce que je te dis, on avait les 18 ans. 18 ans étaient des petites filles. Dans les trucs des hôtesses là, c'est que les petites filles, si même tu remarques, celles qui sont dans les placements, elles n'ont pas plus de 25 ans. C'est que les petites filles. Donc on était dedans, machin et tout. Donc les gars, mais vous partez où? Vous partez où? Mesdemoiselles, vous partez où? Et quand ils voient aussi des petites filles, des jolies petites filles, machin. Et c'est comme ça qu'il y a un qui regarde la voiture. Je vois mon oncle. C'est là où mon oncle me dit, toi, tu vas où? Il me dit, tu descends de la voiture, quitte là. Bon, moni, là, on a eu ça qui bino. Tout le monde a dessiné te à Kosim Baba Kissi. Je suis dit, et comment ma tape à Nzambe na famille na bango, ya ve Kosim Baba Kissi. Tu es là, tu es là, solo. Maman a bengane nanda ko malgré ça kei bazo o kende sika ba simba ba kisi na frontière ayeba taku teke oncle banga za officier immigration mais talande yembo na kata bande ko sotala lo sambo futa kayaya lo sambo e pola kateo kaka lo sambo na yewa na nzamba longole na makambuana aliko zonga parce que elle n'avait plus moyen talande nzamba ko tinda oncle na ye na poste la frontière balongolié yaya landa li solo to partager bandeko to partager ma solo e ko sunga yo na suka nango boko yo kama kambudoki e pesinga posa ya kolela soki nzambe te ma tro to tika via ko envier biloko tindela ba jeune fille monsieur o bandeko landa il me dit tu descends de la voiture quitte la je te ramène chez ta mère et tout c'est comme ça qu'il m'a sorti de là il a dit à mes copines de partir et que moi je reste au poste il va me ramener chez ma mère. Et mais j'étais même contente, il m'a ramené chez ma mère. Il a dit à ma mère que non, mais ta fille, je l'ai attrapée là-bas, elle était dans la voiture avec ses copines, mais carrément, de l'autre côté, de l'autre côté de la ville, elle était déjà loin et tout. Ma mère a fini de parler, je lui ai demandé pardon, je me suis dit bon, comme j'avais fait la promesse au Seigneur, je dis bon, moi je me calme, j'arrête avec les filles là. Mais quand elles m'ont encore appelée, je suis repartie. Quand elles m'ont appelée, c'est après 2 semaines. Non, mais tu ne viens plus et tout. Voilà, j'ai encore déserté la maison de ma mère. Vraiment. Je retourne encore. Singa. Chez la copine. Chez les copines. On dit oui. Elle est venue. J'ai dit comment ça s'est passé. Elle n'est pas entrée dans les détails. Par contre, il fallait. On avait encore. Elle est revenue avec d'autres pièces de 10 francs. Elle a dit ça. On doit. Il m'a dit, parce qu'il a donné des consignes que quand tu vas rentrer, tu dois déposer certaines pièces de 10 francs dans les carrefours. Et tu dois faire dans les carrefours des quartiers sous-intégrés. C'est comme ça que je dis, bon, on va y aller. Par contre, elle doit déposer ça toute nue dans les carrefours. J'ai dit, bon, on va y aller. Donc, nous voilà, et là, à partir de minuit. Attends. Vous deviez aller déposer les pièces là dans les carrefours toutes nues. Une pelle seulement. Parce que c'est la condition qu'on lui a donnée. Donc, so bola na ensemble na biso ba pesi e bo si yo na condition ba pièce ya 10 wana akende ko boaka ngona carré four et sika mouvement za la kwa le quoi na victoire le quoi na château rouge le quoi na matongie na ba mina butu wana abima mutakala bato batambola ka mutakala bona métisme o to jeune fille ki toko boto atambola mutakala bande tala yango ako sabino o étudiante Atamboy mutakala zulibo. Ah zulibo mate ayebi makambo osala. Totali sabino o fimo ka bimina mutu ya liboma. Toko comprendre que ça liboma te ba yebi makambo o ba osala. Landa li solo o. To continue. To partager bandeko. To partager to chaba j'aime. To chaka ba j'aime pour na ko save émission landa. Donc elle m'a dit non moi je dois aller déposer certaines pièces dans les carrefours dans des quartiers sous-intégrés. Pas les quartiers UP, les quartiers sous-intégrés. Et donc, c'est comme ça, on a regardé à minuit, il y avait encore beaucoup de gens. Puis, les quartiers sont intégrés à les bars jouent toute la nuit. On est parti jusqu'à 4 du matin, on s'est dit, mais les gens là ne vont jamais dormir ou quoi. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, bon, tant pis, parce qu'il ne fallait pas que le jour s'élève à 4 heures. Nous voilà dans un quartier intégré que les Gabonais connaissent, Nzayon, carrefour de Nzayon. Donc, on garde, c'était moi qui étais au volant. Donc, il me dit, non, je descends vite.
et je dépose les pièces toutes nues. Hein. Donc elle est descendue et comme il y a les gens dans les bars, il y a toujours les braqueurs. Donc les gens ont commencé à crier, oh, qu'est-ce qui se passe ici et tout. Donc on avait failli l'attraper. On avait failli l'attraper et tout. On a fait comme on a pu. On est parti. On a continué à faire comme on a pu. On déposait les lits, les fonds. Les gens criaient en fait, oh la sorcellerie, tout ça, tout ça. Mais est-ce que nous, c'est notre problème? Elle a déposé ses pièces, même toutes nues. En plus, à l'époque, il n'y avait pas trop les affaires de filmer les gens. C'est à Facebook venait à peine d'arriver. Donc, il n'y avait pas encore les gens, ne filmaient pas les gens. Donc, on a déposé et tout. Et on est parti. Et apparemment, il y avait d'autres trucs à faire. Mais Dieng, là où j'ai senti que l'affaire là c'était grave, la nuit, la fille là, chaque jour c'est un nouvel esprit qui vient parler. La dernière fois, une fois, je l'appelle Mimi et tout, doit sortir. Elle me regarde, elle me dit Mimi, c'est qui? Abosan la combo. Elle passait 4 heures en train de peigner les cheveux. Elle passait 4 heures en train de... et je ne savais pas d'où sortait son argent. Je ne savais pas. Peut-être que c'était dans les chevaux. Je ne savais pas. Elle sortait seulement dans son sac. Il y a au moins 5 millions. Et elle donnait l'argent. Franchement, en plus, à l'époque, il y avait le Warhol. Il y avait une boîte qui régnait. Donc, quand on arrivait, on sait que c'est. On l'avait même surnommé Dollar. On l'avait surnommé Dollar à Libreville. Ceux qui se souviennent encore à l'époque, ceux qui ont groové, connaissent le nom. Ouais, Rokal et Diamant. Oh! Elle avait l'argent. Vu qu'elle avait trop l'argent maintenant, ben, nous, on n'était plus à son personnel. Moi, je n'étais plus à son niveau. Je n'étais plus à son niveau. Je ne pouvais, moi, je pouvais pas me payer les billets d'avion pour aller à Miami quand je voulais. Je ne pouvais pas. Et franchement, j'avais peur. Surtout quand je voyais que la nuit, elle avait tous les jours les nouveaux esprits qui parlaient. Non. Je dis non, mais moi, ça m'a fait peur, en fait. Ça m'a fait peur. Et il y avait trop de choses. Comme elles ont vu que moi, je n'ai pas fait comme elles. Donc, naturellement, on s'est séparés. C'est la distance. Tu vois, c'était toujours moi qui les appelais, mais elles ne m'appelaient plus. Elles ne m'appelaient plus. Elles trouvaient que je ne suivais pas. Et tout. Et puis, je commençais à avoir des... Vous savez, la vie, là... Tu peux faire la vie, là, quand quelqu'un te donne 3 millions seulement pour certains trucs. Quand tu vois trop certaines choses... Ça te traumatise après. C'est des choses qui rattrapent plus tard. Je te parle de ça aujourd'hui, non, en 2023. Mais toi, tu as eu quoi comme condition? Moi, j'ai juste vu beaucoup de choses. Ici, la manière à ta copine de marcher, de lui déposer les pièces, toi, ta manière de faire quoi? Moi, c'était moi qui étais au volant. Donc, moi, j'attendais qu'elle dépose et puis elle remonte dans la voiture. C'était moi qui étais au volant, mais moi, je n'étais pas partie avec eux. Je n'étais pas partie. Donc, elle faisait certaines choses. Elle avait le vrai argent. Mais la vie, là, ça commençait à me faire peur. Franchement, elle me faisait peur la nuit. Donc, du coup, j'ai demandé à rentrer chez moi. Je suis rentrée chez moi parce que je ne supportais plus de rester chez eux là-bas. Je ne supportais plus. Et puis, c'était moi qui courais derrière elle, en fait. Donc, moi, je suis rentrée. Elles ont continué à faire leur vie tranquille. Par contre, moi, des choses se sont aggravées pour moi. Et elles sont devenues quoi, tes amis, là? Ouf! Elle est morte, en fait. Elle est morte. Oui, aujourd'hui, elle est décédée. Elle est décédée aujourd'hui. Et même moi, je ne vis plus au Gabon. Donc, quand elle est décédée en 2017. Non, 2018. 2018, 2019, par là. Elle est décédée. Et le pire, c'est que quand elle est décédée, quand j'ai appris son décès, j'ai contacté les autres et tout, on m'a dit non, elle est décédée. Donc on a dit non, mais on regarde Libreville, on va venir honorer notre sœur, parce que nous sommes les anciennes. On est les anciennes, on va venir l'honorer et tout. On était quand même les premières à rentrer dans les beaux histoires des placements là, mais ça s'appelle, on a appelé ça, on a appelé les hôtesses. On a dit bon, on a loué des voitures, dès qu'on vient, on fait le tour, on arrive à Libreville. On arrive à Libreville et tout, au moins on achète la gerbe de fleurs et tout. Nous voilà, on arrive à la... Parce que son corps était chez sa famille et c'était même la première fois que je voyais sa mère. Je n'avais jamais vu sa mère. On fait le tour du cercueil DMJ. Il y avait les 10 francs dans le... Je te parle de ça, je tremble. Il y avait les 10 francs dans le cercueil.
J'ai regardé ma copine qui était derrière moi. Je l'ai touchée en fait. Quand on est allé s'asseoir, je l'ai regardée. Tu as vu ce que j'ai vu? Elle me dit. Elle ne me répond même pas en fait. Elle tremblait seulement. Je l'attrape la main. Elle et moi, on tremblait. Je regarde une autre là-bas. L'autre a pris les crises. C'était vraiment un enterrement où les gens tombaient seulement. Les gens prenaient les crises n'importe comment. J'ai dit, ça, c'est quelle affaire. Et je te parle de ça jusqu'à quand on l'a même enterré, même sa mère pleurait, que c'est quelle histoire, les livres là sortent d'où? Parce qu'il y en avait dans le cercueil, donc comme elle était allongée, elle avait une robe, il y avait les 10 francs. Quand on l'a enterré, donc on a creusé en bas, avant même qu'on ne mette le cercueil, dans le trou, il y avait les 10 francs. C'est là où sa mère a commencé à craquer, on avait appelé le prêtre. C'est quoi cette affaire qu'il y a les 10 francs partout? C'est quoi cette affaire, les 10 francs là? Donc le prêtre a commencé à prier, à prier, à prier. Une autre est tombée, a commencé à parler. Une autre est tombée. Et en fait, les gens prenaient les crises n'importe comment. J'ai dit ça, c'est que moi-même, j'ai commencé à trembler. Moi-même, j'ai commencé à trembler. Le prêtre, c'est devenu la délivrance. Jusqu'à on a rendu son enterrement là privé. Ils ont rendu ça privé parce que les gens prenaient les transes et tout. Bon, nous, c'est franchement les filles qui prenaient les transes là. C'était, voilà, qu'on se connaissait déjà. On savait à peu près ce qu'il y avait eu. Donc, quand on a fini de l'enterrer, on a cimenté en attendant que la dalle sèche. Les 10 francs ont encore apparu sur la dalle. Oh. Que sa mère était étonnée, que qui met les 10 francs là? On ne peut même pas parler avec. J'allais dire quoi à sa mère? Sa mère est venue nous poser la question que les 10 francs là sont d'où? On ne pouvait pas lui dire. On ne pouvait pas lui dire, nous aussi, on a dit, on ne sait pas en fait. Jusqu'aujourd'hui, sa mère, jusqu'aujourd'hui, dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que jusqu'aujourd'hui, elle a toujours les 10 francs à côté de sa tombe. Je parle de sa tombe parce qu'il y a certains amis, quand ils rentrent à Libreville, ils partent déposer les gerbes de fleurs, ils vont toujours au moins trouver les 10 francs à côté de sa tombe. Moi, je ne sais pas comment ça apparaît là. Il y a un truc qui s'est passé depuis 2011. Jusqu'en 2023, on trouve encore les 10 francs. Je ne sais pas. Comment expliquer ça? Dit que la vie là, c'est pas simple. C'est ma force de trop chercher des choses. C'est comme ça. Et Kimi, elle est devenue folle. Elle a fait la folie, elle a fait les crises de folie. On allait la soigner au Bénin. Maintenant, je la vois sur TikTok. C'est elle qui donne les conseils aux gens. Que n'affichez pas vos vies, les gens l'ont mangé parce qu'elle a affiché sa vie et qu'elle avait l'argent. Oh, moi, je connais la vérité. Que toi, là, tu es une bandite. Elle part sur Internet là-bas. C'est une grande TikTokeuse. Elle dit non, il faut cacher vos vies. Influenceuse. Voilà, influenceuse. Elle parle des histoires comme ça. Il faut cacher vos vies parce que moi, j'avais ceci, j'avais cela. À cause de la jalousie des gens, les gens m'ont envié le mauvais œil. Alors que nous-mêmes, on se connaît, c'est parce que seulement on a peur de parler. Parce que comme les fleurs ne sont pas simples, tu vas leur parler physiquement, c'est mystique, comment qu'elles vont aller t'attraper au cou. Donc. Comme quoi, tous ceux que vous écoutez sur TikTok, là, vous donnez des conseils que vous pouvez appliquer là. Essayez-vous. Donc, c'est un peu ça. Et dire aux filles, si certaines, si elles sont encore dans les placements là, franchement, arrêtez dans les histoires là. Moi, je vais pas me mentir. Je suis allée attraper la stérilité là-bas. Faut pas. C'est des trucs vraiment. C'est ce que je n'avais pas connu le Seigneur. C'est que ça devait être grave. C'est pas simple. Quand quelqu'un te donne 3 millions comme ça, mais les choses qu'il va te faire, si c'est pas qu'il veut que tu pisses sur lui, il veut seulement que tu craches dans sa bouche. La, Ils ont. la partie avant d'arriver dans le niveau de la secte là, toi tu faisais d'abord ça avec tes collègues, non? Je ne vais pas dire non, oui, je vais faire comment? En fait, c'est que quand tu es dedans, en fait, c'est naturel. Tu ne peux pas dire que tu vas sortir avec des gens qui ont les moyens comme ça et tu pars comme si tu étais une brebis. Ils vont te bouffer tes chances, ils vont te bouffer tes chances, ils te bouffent ton énergie. Ils ont des pratiques, franchement, ils ont des pratiques bizarres. Et c'est même ma copine Mimi qui m'a dit, tu ne peux pas aller avec des hommes comme ça, simplement. Parce qu'il y a certains. Il commence à te lécher de minuit jusqu'à 6 heures. Et tout ce qu'il fait, c'est que te lécher. Il y en a d'autres. Lui, c'est le toilette. Il veut seulement que tu pisses sur lui. Tu pisses sur lui, tu craches sur lui, tu le tapes. C'est que des trucs comme ça, des trucs qui n'ont pas de sens. Où il va faire l'amour à ta copine, il va te demander de regarder. Et si tu ne regardes pas, il te gifle, il te tape. C'est des choses qu'on ne vous dit pas.
C'est des choses qui font seulement dire non, on couche avec toi, on te donne de l'argent. Non, c'est pas que ça. Quand tu es là-bas, soit tu pars avec une copine, comme j'étais allée avec une copine, il avait dit qu'il voulait qu'elle et moi couche ensemble. J'ai dit, moi, je peux pas être avec elle. Donc, il dit, il est même encore ministre, hein. Il y a encore ministre. Il m'a attrapé le cou, il m'a dit, tu regardes. Donc, il était en train de toucher ma copine, de toucher ma copine. Il le faisait par derrière, il me giflait, il me dit, tu vas regarder ça jusqu'au bout. Il pissait sur elle. C'est bon, les détails. Voilà, que des trucs comme ça. Donc, si je peux dire aux gens, ne suivez pas tout ça. C'est pas... C'est sale. Et c'est des trucs qu'après, vous allez trouver des problèmes mystiques bêtes, quoi. Franchement, beaucoup de problèmes mystiques. Trop, trop, trop de problèmes mystiques que vous... Voilà. Je crois, Bolandi, histoire, il y a jeune métisse. Oh, elle a clair, elle a été claire. Kasiye moko nenga lio abonne baza ki misato. Moko akufa ti lelo ba 10 francs e bimaka na tombe na ye. Bo ki histoire ndenga lobi. Muninga mususu wana akoma ki fol. Na kozonga pona muninga mswana ye moko du fait que abanaye ko linga vio ate me singe bande ko benda ye mouvement ya baninge bande ko benda ye akoma ki stérile. Pour la tango bali po bota problème ti na ba prière ka awolo sambo azongi normal. Muninga na wana kufa yeter makufa kina masumu mon frère on te dit tant oyo ko se repentir quand tu es encore vivant quand tu meurs et comme aka mystique yendenga kufa na masumu oyebite oyebite alobite akufa ndenge nini batwande bakufa ka boyebi donc ba different e bane ko manakata sirake na ye batu ba okamwa ba ke ko kunda na libulu na ye ba different ba mbongo zale ko bima ba kunda ba tiedal Bambongo ebima batu ba keido chaque fois chikoyo bambongo ebima kana cimetière de kola tombo na yebandeko ola kokena cimetière olokoti mbongo tala yebaka yebela vision muninga na emsusu wana bela ka liboma bokinga lobi ti basali saye na Benin azonga akoma bie makoma influenceuse na TikTok opesa ba conseil tolobaka yango chaque fois abandeko sala tansha bumoni Oh, bah, c'est un poison. TikTok, kaka, TikTok, c'est un problème. Oh, TikTok, c'est un gagne à koufi. Oh, c'est un gagne à koufi. C'est un poison. T'as la vie, c'est un outaka. Bah, tu es belle, bah, y'a TikTok, wana. Bah, vie, bah, présente à la vie réelle, n'a pas monté. T'as la vie, y'a coupé ça, bah, tu conseilles à Pambala, Pambala, Félix. Bah, tu as joué mon solo conseil à Pambala, Pambala. Oh, jalouté. A Kenai, Kosim, bah, Kissi. Elle va pas vous dire la vérité. T'as la vérité, Angwe, Bimi. Vérité bimi. Au moment la maman intel te après ça conseil qui toko ye pela le baka makambu ya vie azoko bete la numa kam oya sala s'occuper ne suis avec influencer bino bosala makambu wana ye baka kapa mama te ya mwana papa te ya mwana oto luba kite na linga ki na partager na bino histoire oyo et puis singa y passe commentaire ko sala esalite je crois bino moko vraiment boyoki oyo makambu ndenge sukaka Makambo ndenge sukaka. Voilà. Merci Nabino na confiance et peu fidélité ban de koto partager émission to partager aux ana jeune fille maman tinde la jeune fille na yo jeune fille otali tinde ba camarade na yo bokabola émission o na ba groupe WhatsApp o esunga ban de ko. Na lo ba ka chaque fois so que émission o esungi yote peut-être o sunga de ko moko songolo et sika moko pakala. Et puis to s'abonner massivement na radio loko et télévision ban de ko. Tango to tala biso boye ko bos na rater ko fina cloche à notif pardon ko liker vidéo. Tant que vous likez la vidéo, vous allez permettre que vous soyez à l'abri et à la dongolo miso. Pour la dongolo miso. Vous pouvez vous dire que vous pouvez vous dire n'importe quel solo politique, culturel, familial, nio surtout, comédie, ou que benga. Ce que vous pouvez vous dire, c'est que vous pouvez vous dire 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 que vous pouvez vous Donc, aux gens à Soussou, à la minute après-midi, tout bête la holly solo bandeko. Maman moka leli na mikili en poto. Mobaye na ye a komeli ngouma. Maman wana lalaka, soa lali chaque fois, à l'otaka, ngouma soya osa na ye amour. Prière, sa raba prière kaka, jum soa esna matali sa ye, ngouma wana utaka wapi. En plein prière, ayako mona boye, mobaye na otala ye be forme ngouma. Est-ce que, esa mobaye na ye,
tu es un mobile na été il y a un autre robert dans le solo pour attendre des coups tous abonnés massivement merci na maman Charlotte Kaputu sponsor officiel ya chaîne Oyo maman Charlotte Kaputu habillère officielle à Bala Nabino. Merci na maman Rina Umbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbire ni virage coordinatrice ya chaîne Oyo tous abonnés massivement t'écoutani susu dans quelques heures d'ici là portez-vous bien te partager à plus chap chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi, moi non a koma, pilote commercial to militaire. Avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya maman Charlotte. Ako guide bino. Dengenini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement Minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain. Devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stay here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino watu boyebi anglais té. Alobi Boye, grâce à Maman Charlotte, les loyaux, les Tanzaniens, les avions, les avions, les avions, les avions, les avions, les avions, les Congo. Les avions, les avions. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi, je suis venu à la coupe avion militaire et commercial, hélicoptère militaire et commercial, kakana certificat d'études primaires. Et bon, yo zanga, hâtez-vous, car les places sont limitées. Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa yo ndenge nini. Merci.